Bon matin les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour le message de ce lundi, eh bien 24 janvier 2022. J'espère que vous avez passé un joli week-end. Toujours dans ce bel oracle intuitif, aujourd'hui j'ai pigé Renaissance. Eh bien avec la carte Renaissance, ouvre-toi. Et prépare-toi à accueillir ce moment salvateur. Ces bois tombent en hiver et se renouvellent au printemps. Le cerf, roi de la forêt, fait corps avec les cycles des saisons. Il est un symbole de régénération. Dans la nature, eh bien, la Renaissance et le changement sont partout. Petite question, et dans ta vie, est-ce que le changement est là? Est-ce qu'il y a une renaissance? Est-ce que tu peux renaître? Est-ce que tu peux te redécouvrir? Est-ce que tu peux te reconnecter à tes envies? Suivre tes aspirations et te souvenir à nouveau de tes rêves oubliés. Eh bien, ce nouveau toi est empli de puissance et de dynamisme. En venant au monde, eh bien, nous naissons une première fois. Mais tout au long de notre vie, à tout âge, de nombreuses opportunités de renaître nous sont données. Une seconde chance avec l'ange Aladia. C'est le séminaire que j'ai passé le week-end passé, pas ce week-end qui vient d'arriver, mais le week-end avant. Ce séminaire était axé sur une seconde chance. Installe-toi, ferme les yeux. Visualise-toi tel que tu es. Ici et maintenant. Demande-toi ce qui te convient dans ta situation actuelle et ce qui ne te convient pas. C'est bien. Décide de laisser mourir symboliquement la partie de toi que tu n'aimes pas. Respire, respire alors profondément. Plusieurs fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et maintenant, à chaque expiration, déleste-toi d'une couche, celle de ton faux toi. Les carapaces
que tu as endossé pour te protéger des mauvais coups. Chaque expiration déleste-toi d'une couche. C'est bien. Peu à peu, tu te sens plus léger. Laisse cette énergie nouvelle t'envahir et réjouis-toi. C'est le signe qu'un nouveau toi est en train d'éclore. C'est bien. Lorsque vous le désirez, ouvrez les yeux. Et bienvenue. On termine avec le message de lumière. La vie me parle. Je suis à l'écoute, car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai. La prochaine image que je verrai. La prochaine parole que j'entendrai. Ou la prochaine personne que je croiserai. Notre Créateur est partout. Je l'interpelle et il me répond. Quel beau message hein, pour commencer cette semaine. Et je terminerai le message. Mets de la lumière dans ta vie. Sois optimiste et lève-toi le matin en remerciant pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour, le bonheur, la joie. Et je vous retrouve demain pour un nouveau message. Je vous embrasse et d'ici là, portez-vous bien. À demain.